Oui, Vincent, alors je suis au sein de l'EHPAD de Beaucourt, bien accompagnée autour de moi, Marie, qui est animatrice et canimédiatrice ici, et qui dit canimédiatrice, dit que vous intervenez avec vos deux chiens. Je crois que nous sommes très attendus là. Effectivement, c'est notre rendez-vous hebdomadaire et les résidents nous attendent. Eh bien, allons-y, car j'entends que nos deux chiens, Tatou et Pilou de Leonberg, sont très attendus. Oh, regardez, voilà. Tout le monde qui cherche à caresser le chien. Alors, que se passe-t-il, la Marie, alors ? Là, voilà, ils sont au rendez-vous et je crois que les images se passent de commentaires. Pilou, viens. Quel est l'objectif ? Quel est l'objectif d'une séance comme celle-ci en groupe avec les chiens ? Alors, l'objectif, c'est de créer du lien social, de créer beaucoup d'interactions entre les résidents et les chiens, mais aussi entre eux. Les familles sont souvent présentes aussi. Et c'est vraiment un stimuli qui est très riche. Dites, c'est quand même des chiens impressionnants avec lesquels vous travaillez. Il n'y a pas d'appréhension des résidents ? Je pense que vous pouvez leur demander, peut-être. Est-ce que vous avez peur ? Attendez, je vais aller leur demander. Est-ce que vous avez peur, madame, de la taille des chiens ? J'ai pas peur, mais j'ai quelque chose quand même qui me fait trembler. Ah, c'est quoi ? C'est parce que vous aimez les chiens ? Peut-être, je les aime. Mm-hmm. Oui, on en a eu à la maison des chiens. Pas aussi gros que ça, mais presque. Hein. Mm-hmm. Elles qu'on aimait beaucoup, mais... Comme ça, ils me laissent quelque chose. Ils sont impressionnants, hein, ces chiens. Vous aimez les retrouver chaque semaine, les chiens ? Oui, moi j'aime bien. Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Oh, j'en ai un chez moi, mais il n'est pas si gros. Hein. Ah. C'est un berger des Pyrénées. Et vous aimez bien les caresser, les toucher ? Oh, les gros comme ça, j'aime bien aussi. Hein. Oui. Et... Moi, elle ne voudrait pas aussi. Oh non, pas de chien, pas de gros chien. On voit qu'il se passe vraiment quelque chose là, entre les résidents et les chiens, et vous aussi, hein, Marie. Hein. Oui, effectivement, les visages s'éclairent et il y a beaucoup de sourires, d'échanges, et c'est vraiment des moments privilégiés de partage. Et voilà, c'est un rendez-vous attendu et apprécié, c'est certain. Eh bien, on va laisser les résidents profiter des chiens. En tout cas, je vais me faire un peu plus discrète. Merci beaucoup, Hélène. Oui, Vincent. Alors, cette fois-ci, je suis dans une pièce où l'on a recréé l'ambiance des intérieurs que les résidents ont pu connaître en parallèle. Avant, ça leur permet d'avoir une salle à manger dans laquelle ils se sentent apaisés et rassurés. Et là se joue une séance de médiation animale. Cette fois-ci, c'est une séance individuelle, toujours avec Marie et ses deux chiens. Marie, quel est l'intérêt d'une séance individuelle comme ça avec une résidente ? Alors, je crois que les séances individuelles permettent de redessiner des sourires, permettent beaucoup de progrès en termes de mobilité. C'est-à-dire justement de... Le fait de caresser un chien, le fait de lancer une balle, et puis toutes ces interactions qui font que c'est très riche et si agréable pour tous. Oui, on voit effectivement que madame est intéressée par le chien, ça l'attire. Je suis intéressée par le chien et par tous, hein. Je vous écoute quand même. Ah, bien sûr. Je n'en doute pas, mais ça vous plaît d'avoir les chiens qui viennent vous voir ? J'aime bien les bêtes. D'accord. Bon. Qu'est-ce que ça apporte également au corps médical d'avoir la présence des chiens dans l'établissement ? Alors, les chiens, enfin, en tout cas, les nôtres sont vraiment intégrés dans l'équipe pluridisciplinaire et il m'arrive parfois d'être sollicitée pour aider mes collègues soignants à canaliser un résident ou peut-être à apaiser certaines situations d'angoisse ou des situations qui peuvent être tendues. Mm-hmm. Et je crois que ça permet de passer ces moments tout en douceur. Mm-hmm. Et à ce titre-là, voilà, on est vraiment sollicité. Les bienfaits des chiens. Alors, je vais profiter de la présence du fils de madame qui s'appelle Michel. Michel, votre maman, ça fait déjà 2 ans qu'elle a la possibilité d'avoir les chiens en atelier comme ça. Qu'est-ce que ça lui apporte ou qu'est-ce que vous avez vu ? Beaucoup de plaisir, surtout, du bonheur. C'est des choses indescriptibles pour ma mère ou pour d'autres personnes. Ouais, c'est que du bonheur avec les animaux en général. Ouais, c'est... Bien voilà. Fantastique. Voilà. Bien voilà, comme quoi la présence des animaux n'est plus approuvée. Merci Michel, on va laisser votre maman profiter de ces animaux et de ce moment de douceur et d'apaisement. Merci Hélène.